Alors, je pense que c'est important d'associer nos concitoyens dans des échanges autour de la démocratie, de l'action publique, de l'action politique. Et je trouve que le programme que vous aviez concocté est un programme très intéressant sur les sujets que concernent les Alsaciennes et les Alsaciens. Et donc, je tiens à saluer cette démarche. L'avenir se construisant alors sans nous, sans nous d'abord. Moi, je suis pour une Alsace qui retrouve son identité, qui retrouve son autonomie, afin de lui donner plus de compétences en matière d'éducation, de sorte que nos enfants apprennent non seulement notre langue, mais aussi notre histoire, pour en faire des adultes intégrés dans un paysage rhénan. On construit un projet en commun, on le partage en commun, mais on le fait vivre en commun. Et je trouve important de ne jamais baisser les bras, de rester fidèle à ses valeurs et de se mobiliser régulièrement pour pouvoir arriver à cette fin. On voit la route qui est encore devant nous, la route est longue, mais quand je vois finalement à la fois ce qu'on a réussi à faire, la motivation de nos membres, nos sympathisants, mais également de nos électeurs et de l'Alsace en général, quand je vois finalement les bons auspices sur lesquels est l'Alsace, je pense que nous avons un boulevard devant nous, mais c'est un boulevard, il va falloir avancer dessus, il va falloir travailler, il va falloir rien lâcher, ça sera un combat tous les jours, mais on y arrivera.